Encore une fois, plus de 50 000 personnes dans la rue à Bordeaux, c'est gigantesque. On attend de voir les chiffres, on attend de voir les chiffres au niveau national. Plus de 300 manifestations ont eu lieu, dont celle de Bordeaux, et celle de Bordeaux va compter, elle est historique. Des centaines de milliards dans les poches des patrons, le CICE, 100 milliards en 5 ans. On a même entendu, dans un classement tout récent, un patron français, le plus riche au monde, Bernard Arnault, plus de 100 milliards. Donc là, l'argent, il existe. Augmentons les salaires. Une augmentation générale des salaires permettrait plus de cotisations, permettrait d'améliorer nos systèmes de retraite. L'égalité salariale, plus 6 milliards dans les poches des salariés. Donc, il y a des possibilités. Les revendications que nous portons de justice sociale sont crédibles et peuvent être financées. Demain matin, aura lieu une intersyndicale confédérale au niveau national. Soyons vigilants à ce qui va être discuté et aux appels qui vont sortir. Nous, à la CGT, dès ce soir, nous appelons tous les syndicats, toutes les sections à nous faire remonter le nombre de grévistes, les taux de grévistes dans les entreprises, le nombre de manifestants qui sont montés dans les bus, afin de faire remonter ça au niveau national, afin que les discussions et l'analyse au niveau national soient la plus pertinente et la plus fine possible pour voir comment et quelle suite donner à ce mouvement. J'en finis là, je laisse la parole aux autres organisations syndicales, mais d'ores et déjà, rendez-vous dès le 7 et très sûrement, à très vite, pour la suite à cette mobilisation. Chers amis, chers camarades, aujourd'hui 5 décembre 2019, en Gironde, salariés du privé, salariés du public, sommes en grève très massivement à l'appel des unions départementales FO et CGT, de la FSU et de Solidaire, avec les jeunes, avec les retraités, avec les privés d'emploi, les avocats, les gilets jaunes, tous dans l'unité, nous manifestons par dizaines de milliers à Bordeaux venus de tout le département. Aujourd'hui, 5 décembre, dans tout le pays, nous sommes en grève interprofessionnelle et en manifestation à l'appel des confédérations FO et CGT, de FSU Solidaire, de la CGC, des organisations lycéennes et d'étudiants. Force ouvrière se félicite de cette déferlante dans l'unité contre le plan Macron-Delevoye. Aujourd'hui, 5 décembre, nous sommes en grève et en manifestation parce que nous voulons le maintien des 42 régimes de retraite. Les enseignants des écoles, des collèges et des lycées sont en grève à plus de 75%. Des centaines d'établissements et d'écoles sont fermés en Gironde. Ils ont raison d'être en grève avec tous les autres fonctionnaires de l'État, des finances publiques, de la Poste, d'Orange, pour exiger le maintien du code des pensions civiles et militaires. Nous exigeons tous ensemble, public-privé, le retrait immédiat du projet Macron-Delevoye de régime unique par points. Force ouvrière s'oppose fermement à toute tentative du gouvernement de reculer encore l'âge de la retraite, que ce soit par le biais d'un âge légal, d'un âge pivot, d'un âge d'équilibre ou par l'allongement de la durée de cotisation. Avec le régime unique par points, le résultat est connu, c'est tous perdants. C'est une baisse drastique des pensions et des retraites. François Fillon déclarait en 2016 devant les patrons, le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue, ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Mes chers camarades, le seul objet du plan gouvernemental, c'est bien de nous faire travailler plus pour gagner moins. Les manœuvres gouvernementales de diversion, de division, n'efface pas que cette réforme reste inacceptable, maintenant comme demain. Le gouvernement craint la mobilisation forte et déterminée des salariés, de la jeunesse, des retraités, des gilets jaunes et plus largement de la très grande majorité de la population. Ce sont tous les régimes de retraite que le gouvernement veut supprimer, en les fusionnant, en cassant leurs règles de solidarité, les régimes spéciaux, le régime des fonctionnaires, mais surtout le régime général, issu des ordonnances de 1945 de la Sécurité sociale, avec plus de 18 millions de cotisants. Il veut également mettre la main sur les fonds de l'Agirc-Arrco. Pour Force ouvrière, faire reculer le gouvernement sur les retraites ouvrira la voie pour mettre en échec dans tous les secteurs ces plans de régression sociale et d'austérité. Aujourd'hui, 5 décembre 2019,
Le gouvernement craint la grève comme en 95. Il craint la mobilisation de tous les secteurs. Il sait qu'il ne s'agit pas d'une simple journée d'action. Il craint la poursuite de la grève jusqu'au succès. Force ouvrière considère que ce ne sont pas les journées d'action à répétition qui feront reculer le gouvernement. Vous le savez toutes et tous. Alors, chers camarades, chers amis, aujourd'hui 5 décembre 2019, Force ouvrière vous appelle à réunir des assemblées générales dans les entreprises et les administrations avec vos syndicats pour poursuivre et reconduire la grève le 6 décembre et les jours suivants, pour gagner le retrait dans l'unité, décider de la reconduction, mettre en échec le projet Macron-Delevoye. D'ores et déjà, la grève sera reconduite le 6 à la SNCF, dans l'enseignement, à la poste, dans les transports. À Force ouvrière, nous pensons que c'est par l'amplification du rapport de force dans l'unité, par la grève jusqu'au retrait, que nous pourrons faire reculer le gouvernement et gagner. Nous sommes la force, nous sommes le nombre, nous ne devons avoir aucune hésitation. Trop c'est trop, assez de régression, assez d'austérité. L'heure est à la grève jusqu'au retrait du projet Macron-Delevoye. Nous sommes en train de relever la tête. On n'avait pas vu ça depuis 2010. Une telle mobilisation, ça fait chaud au cœur. Voilà, il faut qu'on continue. Ça suffit. Nous sommes en reconquête sociale. Ça suffit les cadeaux financiers. Cette situation, ils l'ont créée. Je ne vais pas revenir sur tous les cadeaux qui ont été faits au patronat. L'impôt sur la fortune, tous ces cadeaux, ces exonérations dont on ne voit rien pour nous, voilà, les salariés. Donc ça suffit, cette réforme des retraites va s'articuler avec toutes les autres réformes, la réforme de la fonction publique. Ils sont en train de casser les services publics, ils sont en train de casser la fonction publique partout. Elle va s'articuler, ils sont en train d'introduire les contractuels, les salaires au mérite dans la fonction publique, les inégalités vont se multiplier. Pareil, la réforme de l'assurance chômage, les gens moins payés, moins longtemps, ça va avoir des conséquences sur leur pension à la retraite. Tout ce qu'ils font, ils font payer les plus pauvres, ça suffit. Donc, oui, nous appelons la FSU à une dynamique de reconduction. Nous sommes forts, on continue, on ne se laisse pas diviser, des âgés partout, au plus près, dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires, partout. La semaine prochaine, on continue, avec des temps forts sans doute, mais on appelle tout à reconduire, à être dans une dynamique de reconduction. On lâche rien. Un mot, pas trop long, de l'Union syndicale solidaire, les syndicats sud. On aurait tort de penser que la retraite est déjà perdue, que ce n'est qu'un élément parmi d'autres de la politique de Macron. Après la casse du code du travail, la généralisation des contrats précaires et l'attaque sur l'assurance chômage, cette réforme est l'apogée de son plan pour faire table rase des droits conquis par nos prédécesseurs depuis plus de 150 ans. C'est un atout maître pour nous rendre définitivement soumis à la merci du premier exploiteur venu. Ne nous laissons pas leurrer. Les annonces et les contre-annonces sur les présumées modifications de leur réforme n'ont d'autre but que de nous démobiliser, de nous diviser. Soyons sûrs qu'en l'absence d'un véritable rapport de force, tout cela sera voté très rapidement, peut-être même au mois de janvier. Les secteurs des transports et de l'énergie sont reconductibles. Dans le public comme dans le privé, des préavis de grève et des appels couvriront l'ensemble des travailleuses et des travailleurs qui se mettront en grève reconductible. Nous devons nous emparer de cette occasion. Les journées isolées de grève décidées d'en haut ont largement montré leur efficacité. Ce n'est que par un mouvement auto-organisé à la base, unissant toutes les catégories de travailleurs et s'inscrivant dans la durée, que nous mettrons un coup d'arrêt aux attaques du gouvernement et reprendrons enfin la main. Partout dans le monde, ces mêmes politiques de prédation de la richesse collective par une oligarchie conduisent à la riposte sociale. Comme au Liban, comme en Irak, comme en Équateur, comme au Chili, reprenons la main. Nos revendications pour le retrait du projet de réforme des retraites, pour l'abrogation de tous les contrats de travail précaires et leur transformation immédiate en CDI à temps plein ou en emploi sous statut de la fonction publique, pour le rétablissement et l'augmentation de toutes les cotisations sociales qui ne sont plus payées par le patronat. Ceux qui veulent venir parler, Sud ouvre son micro à ceux qui veulent prendre la parole. Salut les camarades, je vais parler au nom de Sud Santé Sociaux 33, pour les hospitaliers notamment. Depuis maintenant 9 mois, les hôpitaux publics expriment leur colère et leur désarroi en s'engageant dans une lutte inédite, aussi bien en termes de durée, de détermination,
et de mobilisation. Ce mouvement qui s'est enraciné dans le paysage des luttes sociales actuelles,